attendez, je vais chercher ma bille, hein. Deux petits instants. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, la société Choupilout et compagnie a le plaisir de vous présenter... Ça va ? Oui ? Salut mamie, salut les minoutes, ça va mamie? Oui, ça va bien? Oui. Tu attends deux minutes? Ouais. Ça va mamie? Oui. Ça va bien? Oui. Ça va très bien? Oui. Tu sais pas dire autre chose que oui? Non. Oh mamie, tu viens de dire non. Oh, tu fermes le bouc, t'en évoquerais. Oh, je parlerai plus de son dans la voix, s'il te plaît, merci. Alors ça va, mamie? Oui. Mesdames et messieurs, je vous présente mamie Fernande. Elle est où? Qui ça? Fernande? Ben, c'est toi, mamie. Oh, j'ai oublié, fiston. T'as oublié? Oui. Et pourquoi? Il y en a qui disent que je perds la mémoire. C'est vrai? Oui. Mais tu n'es plus toute jeune, mamie. Tu as 4 fois 20 ans. Oui. On y va. Coucou, le son. Oh, alors t'as une piloute? C'est vrai que j'ai 4 fois 20 ans. Comme présent. Oh, oh, fous le camp. J'oublie le nom de mes petits enfants, même si je les aime infiniment. Si j'étais désespéré, arrêtez de me mettre au placard comme si j'étais un vieux tocard. J'ai encore assez d'énergie et plein d'intérêt pour la vie. Un jour, ça vous arrivera d'avoir des cheveux blancs comme moi. Vous comprendrez peut-être alors qu'à tout âge, pour regarder toutes ces folies jusqu'au dernier souffle de vie, tant que l'on a sur son chemin quelqu'un à qui tendre la main. Arrêtez de me mettre au placard comme si j'étais un vieux tocard. J'ai encore assez d'énergie et plein d'amour, comme je vous dis. Mamie Fernande. Mamie. Ouais. Mamie. Ouais. T'es triste? Pas du tout. Ah. Troulala, troulala, je vais tomber gonvette en l'air. Troulala et troulala, je souviens massivement. On fait sauter un peu? Ouais. Ouh. 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 Lâche-moi pas, cœur. Non, je te tiens, regarde. Touche pas à chat, je suis pas dit. Oh, excuse-moi, mamie, c'est juste pour rire, hein. Ouais, mais rire, c'est rire. Mais picher dans le dos de ce grand-mère et dire qu'elle transpire, chat fiston, c'est plus rire. Ouais. Alors dis-moi, mamie, tu veux encore sauter un petit peu? Allez, on y va. Oh. Eh, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Fiston, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? Mes dentelles. Tes dentelles? Qu'est-ce qu'elles ont, ces dentelles? Qu'est-ce qu'elles ont, les dentelles, à même? Oh, j'ai pas vu, mamie, excuse-moi. Filou. Fripon. Oh. Eh, oui, t'as vu? Ils ont regardé mes dentelles. Ils ont regardé tes dentelles, mamie? Qu'est-ce qui a regardé les dentelles? T'as regardé les dentelles à mamie, toi? Hein? Brigand! Vous avez regardé les dentelles à mamie? Brigand! Remarque que t'as connu autre chose dans la vie, toi, hein, je suppose, hein? 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 On voit que t'as pas eu faim, tu t'as pas connu la guerre! Remarquez, elles sont jolies, les dentelles de mamie, regardez, hein? Regardez, vous permettez? C'est pas joli, ça? Ça s'appelle, hein? Ponty! Oui, on dit aussi, hein? Sac à prout! D'accord, mamie, hop! Alors, dis-moi, mamie, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis en retraite! Ah, et ça fait longtemps? Oui. Et qu'est-ce que tu fais pendant ta retraite? Eh, j'ai tous des vieux dans la salle. C'est tous des vieux dans la salle? Ben non, hein. Mais non, c'est pas des vieux. Il y en a qui ont des belles têtes de vainqueurs, hein. Ah oui, ça, c'est vrai qu'il y en a qui ont des drôles de tronches, hein. Ouais.
pardon, excusez-moi. Alors dis-moi, oui. Donc tu disais que tu étais en retraite, oui. Et qu'est-ce que tu fais pendant ta retraite? Du camping. Oui, oui. Et toute seule? Avec un homme. Ah, parce que t'es mariée? Ouais. Ça fait plus de 50 ans. J'en ai jusque-là dit. Mamie. Ouais. Et c'est tout ce que tu voulais me dire? Ouais. Et qu'est-ce que tu veux? Comment s'appelle-tu à ton mari? Hein? Tu veux que je te dise comment il s'appelle? Hein? Mais t'es un saut d'automne. Vous voulez savoir comment s'appelle le mari de mamie? Hein? Vous savez comment s'appelle? Roland. Roland de Roncevaux? Non, Roland d'alcool. Ah bon, d'accord. Parce que cette naine, elle sent le houblon. D'accord, mamie. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu veux faire? Je vais me faire toute belle. Tu vas te faire toute belle? Oui. Et pourquoi? Pour aller à Dicasse avec chez copine. Ah ouais, c'est super. Et tu vas danser? Non. Vous voulez savoir ce que mamie va faire ce soir? Oui. Hein? Oui. Ils sont sourds? Ben non, ils sont pas sourds. Et qu'est-ce que tu vas faire ce soir? Tu veux danser? Non, je ne sais plus danser. Et pourquoi? Tu veux que je te raconte? Oui. Tu veux leur dire pourquoi tu danses plus? Ouais. Ah ben dis-leur. Parce que l'autre jour, oui, qu'est-ce qui t'est arrivé? Hein? Qu'est-ce qui t'est arrivé l'autre jour? J'ai voulu faire un French cancan. T'as fait un French cancan? Oui. Comment? Comme ça? Wouhou! Wouhou! Lâche pas mon cœur, hein? Non, je te tiens. Hop! Bouge pas, ma chat. Et alors, t'as fait un French cancan? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Eh ben, j'ai fait le grand écart. Sympa, mamie, elle fait grand écart, hein? Vous trouvez pas? Oui, bah attends, qu'est-ce qu'il y a? J'ai que par terre. T'es tombé par terre? Oui! Et alors? Tu t'es fait mal? Pas du tout. Ah, tu t'es pas fait mal? Pas du tout. Alors qu'est-ce qui t'est arrivé? Hein? Tu t'es relevé? Pas du tout. Tu t'es pas relevé? Et qu'est-ce que tu... On t'a aidé à te relever? Non. Et alors? Je suis resté collé au sol. Mamie, il y a des enfants. Coucher la nature? Tu veux que je te dise pourquoi je suis resté collé au sol? Hein? Parce que ça faisait aux ventouses. Mamie, s'il te plaît, tu peux pas dire des choses comme ça, hein? Cocher la nature? Bon, d'accord. Alors, tu veux plus danser? Non, mais je suis encore bien canté. Et tu veux chanter avec tout le monde? Oui. Tu veux canter avec lui? Hein? Alors, je voudrais te dire quelque chose avant que tu chantes. Tu permets?